Coucou à tous. Je reviens pour une vidéo face caméra, comme vous pouvez le voir. Et je voulais vous parler de mon histoire avec la souplesse, parce que c'est quelque chose qui m'a... Non, qui m'a pas été demandé, mais je reçois souvent des messages en privé où on me demande comment t'es arrivée à faire de la contorsion. Depuis quand, etc., etc. En sachant que moi-même, je ne sais pas trop depuis quand j'ai commencé, en fait. Parce que c'est venu un peu comme ça, on va dire, instinctivement. Donc, pour commencer, je devais être à peu près en cinquième. Et à la danse, j'étais un peu du genre à copier les filles de devant, etc., etc. Et surtout, j'étais dans un groupe avec des filles plus jeunes. Donc, du coup, j'étais un peu... complexée parce qu'elles arrivaient à faire des trucs que moi j'arrivais pas à faire, etc. Surtout en souplesse avant au niveau du dos, vous savez, vous penchez en avant, etc. Le truc que je n'arrivais pas du tout à faire, du coup, je me suis dit que j'allais un peu changer, on va dire, et du coup j'ai changé aussi dans ma vie personnelle au passage. Et donc j'ai pas commencé à faire ça en cinquième. J'essaie de remonter dans mes souvenirs, c'est un peu, c'est un peu compliqué. Du coup, je m'y suis prise en quatrième à peu près. Donc pendant toute mon année de quatrième, je me suis lancée dans l'apprentissage du japonais, voilà. Je trouvais ça hyper cool, c'était l'époque où j'étais assez fan de manga, etc. Et c'est l'été de quatrième, pendant les 2 mois en fait, j'ai trouvé un livre de yoga qui appartenait à mon beau-père avant que je lui taxe. Et j'ai commencé à faire des exos, il y avait l'appel du soleil, je sais plus comment on dit, la salutation au soleil. Par exemple, ce genre de choses, pencher en avant, etc., etc. En fait, j'en faisais tous les jours pendant les 2 mois, pendant l'été, etc. Famille ou pas, j'en faisais quand même. Et il se trouve que j'ai trouvé ça assez chouette, finalement. Et j'ai trouvé que ça marchait plutôt bien. Et c'est là que j'ai découvert que j'avais quelque chose au niveau du dos. Enfin, au début, c'était un petit truc, hein. C'était juste, je voyais que j'avais une certaine souplesse, etc. Et puis à la danse, on avait des cours qui s'appelaient la barre au sol, la barre à terre. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est comme des exercices de danse à la barre, sauf qu'en fait, vous les faites au sol et du coup, ça permet d'utiliser vos muscles en douceur, on va dire. Et en fait, je me rappelle que pour certains exercices qu'on faisait par deux, il y avait, par exemple, j'étais au sol et je le faisais avec ma maman, ça. En fait, elle me prenait la jambe devant et elle poussait. Donc devant, au début, faut le savoir, c'était vraiment pas terrible. Maintenant, j'arrive à faire l'écart, mais avant c'était vraiment pas tip top. Et en fait, on faisait devant, puis sur le côté, donc en seconde, et derrière en arabesque. Et quand j'étais en arabesque, vu que quand vous êtes en arabesque, vous êtes sur le ventre, du coup, avec une jambe en haut, c'est très mal représenté, hein. Et elle me poussait la jambe et en fait ma jambe arrivait à la verticale quoi. Et alors ça a l'air de rien comme ça, mais il y avait beaucoup de personnes dans le cours qui ne pouvaient pas, qui arrivaient à peine à lever la jambe dans cette position là. Et du coup c'est là que déjà on s'est dit ok, il y a quelque chose. Et du coup en faisant du yoga, ben, j'ai découvert qu'il y avait certaines figures que je pouvais faire sans trop de difficultés finalement. Et donc voilà, donc c'est parti du fait que je voulais m'assouplir pour la danse classique. Mon but c'était le grand écart, juste ça, je m'étais dit après, une fois que je l'ai, je m'arrête. Sauf que à force de pratiquer, etc., j'ai voulu tester d'autres choses. Donc, je suis allée voir sur YouTube, alors il y a plein de chaînes américaines. Alors je sais plus trop qu'est-ce que je cherchais, comment j'ai retrouvé les termes, parce que c'est vrai que Je sais pas comment j'ai trouvé le terme contorsion, je sais pas comment j'ai trouvé les noms, je me rappelle plus trop. Je sais juste que j'étais allée chercher sur des chaînes et après j'ai essayé de voir comment elle faisait. Alors par exemple pour la crevette, c'est une des premières que j'ai essayé. Dans le livre de yoga, on prenait par la force du dos et moi celle que j'ai essayée c'était avec un peu d'élan, vous savez, celle que je vous montre assez souvent. Et en fait, j'ai plus galéré à trouver la technique qu'à réussir la figure. C'est-à-dire que quand j'ai eu trouvé la technique qu'il fallait, ben en fait, je l'ai réussi directement sur ce lit, ici présent.
parce que j'avais peur du sol, donc je le faisais sur le lit. Je prenais le lin, pouf, je partais, je me suis pris le mur plein de fois, enfin bref, le mur s'en souviendra. Et donc au début, je faisais comme ça, j'en faisais plein, j'en faisais des séries, des séries. Des fois, j'y passais 2 heures le soir. Et du coup, au bout d'un moment, il a bien fallu passer sur le sol. Alors ça fait bizarre, on se dit qu'on va juste manger le parquet. Parce que moi, c'est quand même du parquet, donc quand on retombe, on le sent quand même. Donc au début, c'était le tapis, puis après, j'ai enlevé le tapis. Et ça pour tout, enfin pour plein de figures, hein, mais c'est sûr que sur le lit c'est toujours plus agréable. Après maintenant la crevette, je préfère largement la faire au sol sans tapis que sur le lit où c'est tout mou et où je m'enfonce, je fais comme ça dans le matelas. Donc voilà à peu près pour mon cursus, on va dire. Il faut savoir que j'ai été plus ou moins moquée vite fait par certaines personnes à la danse il y a quelques années. Sur ma souplesse que je n'avais pas en avant, voilà, c'était très chiant parce que je savais qu'on se moquait vite fait de moi. Et du coup, je me dis que c'est cool parce que maintenant, je sais que je les ai quand même assez dépassées, ces filles-là, que je n'aime pas trop trop, voilà. Et du coup, en fait, la contorsion, ça m'est venu pendant mon année de seconde. Au début d'année, je me souviens, c'est là où j'ai commencé à faire la crevette, etc. Et je me souviens avoir dit à une pote à moi, à une de mes meilleures potes, oui, j'aimerais bien faire mon métier et tout. On était dans les escaliers, je me rappelle, au lycée, et elle me fait, mais c'est possible de faire ça? Je suis, ben, je pense, tout ça. Et en fait, j'ai vu cette idée pendant à peu près 2-3 mois, et je me disais, bon, il faudrait quand même que j'en parle à mes parents et tout et tout. Sauf que je me suis dit, comme ma mère est professeure dans un collège, j'avais un peu peur de sa réaction parce que je me suis dit, bon, peut-être qu'elle voudrait que je fasse une formation plus classique et tout ça. Bon, parce que, voilà, pour ceux qui peut-être le savent, il y a des parents qui sont pas trop pour que leurs enfants se lancent dans le spectacle. Et en fait, elle me voyait m'entraîner tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'en parlais assez souvent, bon, pas tout le temps non plus, mais j'en parlais souvent. Je disais, maman, j'ai réussi ça, j'ai fait ça, j'ai essayé, machin. Et du coup, un jour, à table, pim, elle m'a dit... Ah mais Coralie, tu t'entraînes tout le temps, pourquoi tu ferais pas, pourquoi t'essaierais pas de te lancer? J'ai fait, à quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Et j'étais trop trop contente parce que je lui ai dit que ça faisait plusieurs mois, en tout cas 2-3 mois que j'y pensais, que j'essayais de trouver autre chose et que autre chose ça m'allait pas, que je voulais pas me retrouver sur une chaise, voilà, toute la journée et que je voulais faire ça. Et du coup, à partir de là, on a commencé à faire des recherches et tout, mais même moi toute seule, je commençais à faire des recherches. Je suis allée voir le conseiller d'orientation qui m'a vite fait aiguiller le parcours de ENACRE, CNAC, etc., etc., tout ça. Et pour que je puisse avoir un cursus assez clair, ce qui fait que là, maintenant, je sais à peu près dans quelles écoles je vais me présenter, que j'ai plein de facs aussi, parce qu'il faut quand même mettre des facs hein, au cas où on se plante, parce qu'il y a toujours un risque de se planter dans ce genre d'école. Donc, niveau famille, en fait, on peut dire que ça a été... mon père, je lui ai annoncé par Skype, hein, la meilleure annonce de toute ma vie, je crois. c'était rigolo, il m'a juste dit « Ma fille, t'as pas choisi un métier facile. » Merci, papa. Ok, voilà. Et en général, ça surprend beaucoup les gens. Donc, c'est pour ça que quand on me demande... Oh, tu veux faire quoi donc plus tard dans ta vie, etc. Je dis pas, ouais, je veux faire contorsionniste parce que je sais que les gens, la plupart ne savent pas ce que c'est. Du coup, ils me font, hein, quoi, c'est quoi ça? Du coup, je préfère dire que je pars en art du spectacle et du coup, ils sont tous là, ouais, c'est trop bien comme projet, etc., etc. Et voilà, et du coup, vous savez où j'en suis arrivée, les pages Facebook, Twitter, YouTube. Donc je me dis que c'est, je sais pas, c'est cool, c'est l'aboutissement de, je sais pas, de ma créativité, de mon projet. Donc en fait, on peut dire que ça fait à peu près 3-4 ans que je fais de la contorsion, on peut dire. J'ai commencé en seconde, mais comme je m'entraînais déjà avant, si vous voulez, on peut dire que ça fait 3-4 ans à peu près, voilà. Bon. En sachant qu'en quatrième, j'avais fait l'été, en troisième, j'en faisais de plus en plus, seconde, pouf, allez, contorsion, c'est parti. Voilà, et là, je m'entraîne à peu près tous les jours, vous le savez, vous avez des photos assez souvent, etc., etc.
J'espère avoir tout dit là-dessus. Oui, après ma famille, elle est impliquée quand même. J'en fais à ma petite sœur des fois. Je vous mets pas trop de photos d'elle, tout ça, quand elle en fait, parce que le droit à l'image, elle est jeune, machin. Mais oui, ça arrive que je m'entraîne avec elle. Je lui fais faire des trucs faciles quand même, pas les trucs hyper, parce que je veux pas qu'elle se fasse mal. Et que l'avantage quand on pratique toute seule aussi, c'est qu'on voit ses propres limites. Enfin, je considère que je n'en ai pas, parce que pour l'instant, j'en ai pas vu l'ombre d'une seule, en fait, tout simplement. Peut-être qu'un jour, ça bloquerait, je me dirais, ah tiens, je suis arrivée au max. Mais là, pour l'instant, non. Donc voilà. Mais on connaît, on va dire, nos limites actuelles. Voilà, je sais que s'il y a un muscle qui bloque, c'est rien de faire. De forcer, tout ça, tout ça. Ça fait partie de la pratique, je pense. Après, j'ai pas le choix parce que, comme j'ai pas de prof, faut bien que je fasse attention quand même, quoi. Sachant qu'il vaut mieux ne pas être blessé du tout pour en faire ma profession. Donc c'est mieux quand même. Ensuite, c'était une histoire sur ma souplesse, mais il y a quelqu'un qui m'a posé quelques questions et comme je ne les connais pas par cœur, j'ai the carnet. Alors, c'est Arflex qui m'a posé cette question, donc la bise hein, au passage. Et merci pour tes questions d'ailleurs qui sont très pertinentes. Donc, la première, ça fait quoi de te rendre compte que tu as gravi les échelons de la souplesse plus rapidement que la moyenne? Alors, c'est une très bonne question parce qu'en fait, je m'en rends absolument pas compte. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, des fois, je disais à des potes, ah ouais, j'ai réussi telle figure, j'ai amélioré tel truc ce week-end et tout ça. Et on me dit, ah ouais, c'est vachement bien, machin. Mais moi, dans ma tête, j'ai tellement l'habitude que du coup, je fais pas attention. Après, c'est vrai que des fois, je me dis, ah ouais, la vache, quand même, la semaine dernière, je la faisais comme ça et aujourd'hui, j'ai fait ça. Bon, voilà, par exemple, hier j'ai réussi mon écart facial là contre ce mur ici. Je pensais pas que ça allait arriver hier, par exemple. Donc on va dire que je m'en rends pas vraiment compte. Ou en tout cas, je sais pas, j'essaie de pas me rendre compte, je sais pas, je trouve ça plus. Voilà. Ensuite, une autre question, te sens-tu. Ouf. Te sens-tu plus belle et plus libre à travers tes mouvements? Alors. Plus belle, je ne sais pas parce que quand vous me voyez toute rouge et le sang qui monte à la tête, je ne sais pas si on peut qualifier ça de beau ou pas. Je me trouve pas forcément plus belle, c'est la discipline que je trouve belle, pas moi, la discipline. Et sinon, plus libre, oui, parce que c'est ma discipline, on va dire, je me la suis appropriée, c'est mon art, mon sport, tout ce que vous voulez. Du coup, pour moi, c'est pouvoir s'exprimer. Et du coup, oui, on peut parler d'une forme de liberté. Donc, je dirais plus libre, oui. Plus belle, pas forcément. Plus confiante, par contre. C'est le truc qui me donne confiance en moi. Parce que je me sens, entre guillemets, douée, on va dire. Donc, du coup, voilà, ça encourage quand même. Ensuite, penses-tu avoir des limites que tu ne pourras pas passer? Si oui, quelles parties du corps les ont atteintes? Alors, je l'avais déjà un peu évoqué tout à l'heure. Je pense pas avoir des limites. Je sais que j'ai des parties du corps qui ont franchi des limites que je pensais avoir, mais que j'avais peut-être pas en fait finalement. Parce que on n'arrête pas de me dire mets ta jambe derrière la tête, machin. Et vous le savez, c'est pas ma souplesse de base, c'est pas ma souplesse naturelle. Du coup, c'est vrai que je m'entraîne pas forcément beaucoup à le faire, mais je vous avais mis une photo l'autre fois sur Facebook. Je peux, et il y a une époque, je pensais que je ne pouvais pas, et j'ai essayé, j'ai fait, ah ouais, j'ai réussi en fait, c'est cool. Donc voilà, donc je pense en avoir, mais j'en avais pas tant que ça. Je pense que je peux pousser vraiment plus loin, je pense. Peut-être pas jusqu'à me mettre debout, hein, je le dis quand même, on sait jamais, mais voilà. Donc on va dire mon dos vers l'avant, peut-être. Ah, atteint les limites que je pensais avoir. Et dernière question, es-tu conscient de devenir célèbre ou d'avoir choisi la plus belle activité? Je ne pense pas être devenue célèbre, pas du tout. Il y en a des beaucoup plus connus, des contorsionnistes, des beaucoup plus doués. Sur le web, il y a beaucoup plus connus. Je ne vais pas vous les citer, hein, vous les connaissez.
Mais pour moi, je ne suis pas du tout célèbre, je suis même inconnue, je passe dans le tas tranquillou. Je sais plus quoi dire là-dessus. Après, s'il y en a qui me considèrent comme célèbre, ça ne peut que me faire plaisir, hein, vraiment. Mais je ne conçois pas être la plus connue, on va dire. Et tu conviens d'avoir choisi la plus belle activité? Oui. Alors pour moi, il y a beaucoup de disciplines d'activités qui sont très belles, qui valent la peine d'être essayées en tout cas. Mais moi, celle qui me va le mieux, c'est la contorsion. Après, c'est chacun qui a son propre ressenti. Mais oui, pour moi, ce serait la plus belle activité. Voilà. Et j'ai oublié de préciser l'âge que j'avais du coup quand j'ai commencé la contorsion. Donc en seconde, je devais avoir. Donc là, je vais avoir 18 ans. J'ai 17, 16, 15. Je dois avoir 15 ans. Par là. 15 ans quand j'ai commencé la contorsion et à m'entraîner, j'en avais 13. Du coup, voilà. Pour la croissance, ça pose pas trop de problème à partir du moment où. Où on force pas trop. C'est vrai que j'encourage personne à commencer trop jeune pour moi. Après, c'est chacun qui voit, chacun son corps. Tu peux commencer plus jeune et peut-être pas avoir de problème, et commencer plus vieux et avoir des problèmes, même si on a fini sa croissance, etc. Donc, faut juste faire attention. Et je crois qu'en fait, là, je suis partie un peu partout. Donc voilà, j'espère à peu près avoir répondu. S'il y a des trucs que j'ai oubliés, parce que j'ai sûrement oublié de dire plein de trucs, dès que je vais couper la caméra, je sais que je vais me dire. J'ai oublié ça, j'ai oublié ça. Tant pis, au pire, vous me poserez les questions dans les commentaires. J'en profite pour vous dire, suivez-moi sur Facebook surtout parce que je suis active en ce moment, sur Instagram vu que j'ai commencé à mettre des photos. Sur Twitter aussi, je raconte des trucs qui servent à rien, mais c'est pas grave. Et c'est tout. Merci de m'avoir écouté, regardé, etc. Bisous!